Nous faisons escale sur l'île de Groix, dans le Morbihan. Dans ce petit paradis breton, on ne chôme pas, car il faut quand même nourrir 2200 habitants. On aime tous globalement manger, on est très gourmands, très gourmets. Si les bateaux de plaisance ont remplacé la plupart des bateaux de pêche, le port dégage malgré tout une ambiance maritime, grâce entre autres à la dernière et unique conserverie de l'île. Il faut être fier de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de travail derrière chaque produit, de la création jusqu'au lancement produit. Depuis 20 ans, cette entreprise met en lumière son île, ses habitants, ses poissons et ses pêcheurs. C'est un challenge du quotidien de travailler sur une île. Bonjour Jo, ça va bien ? Salut, ça va ? Bon, on commence par un petit apéro. Ouais, quand même, hein, ça serait bien. Ta sardine, maquereau, et je vais te faire goûter aussi les ormeaux. Ça a l'air d'être bon, en tout cas. Hein. Comme on dit ici, quand on n'ose pas dire que c'est bon, on dit, finalement, c'est pas mauvais. Des rillettes de sardines, en passant par le maquereau ou les premières noix de Saint-Jacques, un parfum de poisson embaume ce laboratoire où s'affairent une douzaine de salariés. Ça va, Loïc ? Aux commandes, voici Marianne, 35 ans, la directrice de cette conserverie. Là, on peut voir la sardine. Sardine bretonne, pêchée donc autour du Guilvinec. La sardine qui d'abord a été confite au four et ensuite, là, on l'a mise dans la sauteuse. Donc, c'est comme une grande cuisine et on veut retrouver des vrais morceaux de sardine. On s'adapte à la matière et pas l'inverse. Et c'est à la main qu'est réalisée une grande partie du travail, car Marianne tient à préserver le savoir-faire ancestral des conserveries. À l'époque, il y avait des conserveries spécialisées dans le thon, mais également dans la sardine. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est important de pouvoir sublimer un poisson qui est un poisson simple. Et c'est aussi notre rôle de présenter de la meilleure façon qu'il soit des poissons qu'on connaît, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et le trésor de la mer le plus connu sur l'île, c'est les moules de Groix, élevés par Julien. Ça va Julien ? Ça va Marianne ? C'est parti ? Eh bien écoute, c'est parti. On va aller faire une petite pêche au large de Portudy. Marin de profession, il est devenu le seul mytiliculteur de l'île il y a 3 ans. Ces moules sont immergées en pleine mer sur un site à l'abri des vents du sud-ouest. Elles s'accrochent naturellement à des cordes suspendues dans l'eau et chaque jour, il vient en extraire plusieurs centaines de kilos. Ça a été ta saison ? Eh bien écoute, la saison s'est bien passée. On a eu surtout un coquillage qui était super plein très tôt. Non, c'est une belle saison. Belle saison, malgré la météo. Cette année, le phénomène qu'on a observé, c'est que la température de l'eau de mer, bien sûr, est restée basse très longtemps. Hein. Jusqu'à mi-mai, on était encore à 12-13 degrés de température d'eau de mer. Donc cette année, étonnamment, alors je ne sais pas si c'est le seul facteur, mais on a eu très peu de plancton toxique. Donc en gros, tu vas pouvoir nous relivrer prochainement là pour qu'on fasse de la soupe. Tout à fait. Ok. On attaque la saison des soupes. Alors ça, ce qu'on fait, c'est qu'on les récupère et on va les, ce qu'on appelle les boudiner. D'accord. Et elles vont pousser et l'année prochaine, elles seront comme celles-là. Ok. Donc là, tu as 2 générations, maman et les enfants ou papa et les enfants. Marianne, je sais que t'en raffoles. Une petite dégustation de moules de Groix. C'est quand même bien garni. C'est ça qu'on est fiers d'avoir comme produit, quoi. C'est un produit bien charnu. Elle est bonne. Ce qui est bon, c'est qu'il y a une vraie texture, une vraie mâche et il y a le goût. Le goût, il est vraiment très iodé. Et nous, c'est ce qui nous intéressait aussi. Sur un territoire insulaire, le collaboratif est très important. Parce qu'il y a des difficultés, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'est toujours bien de s'entendre avec les petits copains à côté et puis d'essayer de se tendre la main quand c'est possible. On va aller se mettre sur le quai en dur, nous, en arrivant. Et sur le quai, nous attend Joe, l'une des figures emblématiques de l'île. Je ne pourrais pas vivre en dehors de l'île, quoi. L'île, c'est mon élément. Né ici, il y a 63 printemps, il s'est toujours intéressé à Groix, qui était au siècle dernier le premier port thonier de France. Ici à Groix, il y avait des pêcheries, ça remonte à la fin du XIIIe siècle. Hein. Avec ça, il y avait une sécherie. Cette sécherie travaillait par rapport aux poissons qui lui étaient envoyés. Il y avait 265 dindés qui pratiquaient à la fois la drague l'hiver et la pêche au thon l'été. Quand je naviguais à la pêche au thon, on vendait quand même aussi une partie de notre pêche à la conserverie Orvouenne à l'époque. Elle a vu sa fin arriver quand les premières presses à sardines sont arrivées vers 1660.
Le passé industriel de l'île s'éteint à partir des années 30. Les 5 conserveries ont alors fermé leurs portes les unes après les autres. Cette dernière, qui fait renaître l'économie insulaire, a voulu mettre en avant un produit emblématique, l'huile de homard. Bonjour. C'est une huile de pépins de raisin dans laquelle on fait infuser les carapaces du homard. On travaille que du homard bleu dans un souci de travailler de la matière au plus proche de nos côtes. C'est un super produit quand on aime cuisiner. Vous mettez quelques gouttes d'huile de homard sur une purée de pommes de terre ou sur un poisson et ça confère vraiment le goût véritable du homard. Entreprise du patrimoine vivant, la conserverie emploie en tout plus de 30 personnes, dont la moitié sont des habitants de l'île, ce qui a même permis de rouvrir une classe dans l'école. C'est un bonheur et puis de la fierté aussi de pouvoir poursuivre cette activité qu'a lancée mon père. Il y a beaucoup de défis encore qui sont à relever et puis pouvoir continuer à faire découvrir des poissons sous différentes formes et on s'amuse beaucoup à réfléchir à ce qu'on fera demain.